Yo la mif, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez me suivre, vous allez être à mes côtés encore une fois. On a un gros programme. Déjà je dois aller chez mon fournisseur Élégance France et la boutique du barbeur pour vous préparer le grand jeu concours des 100K. Je vous ai pas oublié. Et ensuite, regardez, la petite mallette, elle est prête. On va aller faire un petit tour chez Webedia pour coiffer Inox et Michou. Alors moi, j'ai toujours mes petites habitudes. C'est que quand j'ai un long trajet à faire en voiture, je passe tout le temps à l'épicier derrière chez moi pour aller choper une petite boisson. Regardez ce que je suis venu leur choper, là. Il y a une pension, mon pote. C'est carré. Regardez-moi ça, les gang potions sont prêtes comme jamais. Bon, c'est bon, on a de quoi se rafraîchir. J'ai dû m'arrêter vite fait parce que je suis en réserve. Pour ceux qui savent ce qui m'est arrivé la dernière fois sur l'autoroute, je suis tombé en panne d'essence et j'ai dû me mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Bref, c'était une galère. Donc là, il faut apprendre de ses erreurs. Faut que je mette de l'essence tout de suite. On prend vraiment la route cette fois. Et n'hésitez pas, un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, des commentaires. Je suis nouveau sur YouTube, donc n'hésitez pas à me donner vos avis et à vous abonner surtout parce que la chaîne vient d'être créée et donc l'aventure commence, comme je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué une chose? J'ai fait un effort aujourd'hui, j'ai pas mis de casquette. On essaye de prendre des bonnes résolutions. Ok, bien arrivé devant chez mon fournisseur. Donc on y va, je vais vous faire une petite visite. C'est parti. Et à chaque fois que je viens ici, laisse tomber, je suis comme un gosse. C'est la caverne d'Ali Baba, t'as tout ce que tu veux. Tondeuse, la boutique du barbeur, il est custom, gold, transparent, rouge. Ils ont aussi des sabots, des peignes, des brosses, bref, tout ce qu'il faut. Et élégance à côté, avec une gamme utilisée par de nombreux barbeurs en France. Donc là, la boutique du barbeur, ils sont en train de customiser une tondeuse qu'on va vous faire gagner. Jeu concours des 100K. C'est une N10, la Slimline, qu'on a mis en full transparent. Là, c'est bon, je l'ai réglé à zéro déjà. C'est bon, elle est réglée? Ouais. Tu vois, les lames là, j'ai réglé déjà. Parfait, elle est magnifique, hein, c'est un truc de ouf. Voilà, hein, c'est fini, artiste. Hein. Ouais, c'est fini. On la range dans la boîte. Allez, hop là. C'est dommage, j'aurais bien gardé pour moi. Eh ouais, la prochaine fois. Ah, j'ai failli oublier de vous le présenter. Foggy, qui s'occupe de Élégance en France et la boutique du barbeur. Donc voilà, je vais vous mettre son Insta là pour aller voir son taf et tout ça. Yes. Merci frérot. Je t'en prie, merci à toi. Parfait. Cimer frérot, Magicer Cut. Bien vu mon gars. Totalement arrivé devant Webedia. Bon, moi je suis jamais rentré à l'intérieur. La dernière fois que je les ai coiffés avant le Canada, c'était au bâtiment Le Live à côté. Donc je vais découvrir en même temps que vous. C'est parti. Hein. Devine, on est où là? À combien tu Devine, on est où? Alors, regarde ce qu'il a là, dans la main. Bien sûr, tu m'en as fait! Bah oui, oh là là, le boss! C'est ça ou pas? D'ailleurs, je vais bientôt la créer. Hein. C'est pas moi qui. Je vais bientôt la créer. C'est vrai? Je dis ça, je dis rien. C'est bon. C'est pas moi qui ai géré le dosage par contre. Hein. Je sais pas ce que ça vaut. Après quoi, grenadine? Grenadine, je crois. Hein. Fraise, c'est au-dessus. Hein. C'est incroyable. Là-bas, regarde derrière. Et voilà, t'es chez moi. Je suis à la baraque là. T'as la zoomé. Ah ouais. Putain, t'as fait un truc incroyable. Attends, tu vas t'écouter là, qu'il y a une bouchon ou pas? C'est celle-là, la fameuse là? Hein? C'est celle-là, la fameuse que t'as commandée il y a pas longtemps là? Ouais. C'est bien parce que ça reste dans l'ambiance de chez toi en fait. Ah, c'est ce que je voulais entendre. C'est ça, hein. Genre ça fait beaucoup de plantes mais t'es pas choqué. Carrément. Franchement c'est super lourd. Et là t'es bien. Regarde, tu peux monter. Ouais. T'as réussi à t'en tirer ou pas? Tu peux descendre. T'es dans le futur. Le dosage il est bon ou pas de la gang potion? Ou Qui l'a fait? Non, c'est pas moi. C'est l'épicier à côté de chez moi, il fait ça. Là. Il est bon. Ça va. Mais peut mieux faire. Peut mieux faire, une note sur 10 du dosage. En termes de la mienne, là, celle que je prends d'habitude. Ouais. Je vais dire 6. Il va
J'en sais. La mienne sont toujours les meilleures. C'est vrai. Il y a un truc qui arrive avec la gang prochaine ou quoi? Je suis en train de voir pour avancer le délire au max, les refs. Restez branchés. Restez branchés. Ça va prendre du temps, mais restez branchés. Ça part en mise à jour ou pas là? Je sais pas. Petit dégradé laser ou quoi? Là, on va faire un petit dégradé laser. Ça part. Dégradé laser. Go. Les gars, on est en train de faire un petit rafraîchissement à Inox là. Petit rafraîchissement. Parce qu'il se passe un petit. Je sais pas si on doit le dire, mais il se passe un truc après là. On peut le dire, hein. On peut le dire? Ouais, on peut le dire. Bon, il est sur un tournage. En fait, moi je kiffe Kelargo, les rappeurs. Et ils m'ont invité pour passer, tu vois, 5-10 secondes dans le clip. C'est carré. Donc vas-y, je vais y aller. C'est une expérience, tu vois. Bah oui, c'est sûr. Tout est bon à prendre de toute façon. Voilà, je suis en train de taffer le dégradé du frérot là. 15 minutes pour faire un dégradé. 15 minutes, c'est express. Donc après dans les commentaires vous allez me mettre une note sur 10 à mon dégradé. 15 minutes en dégradé. Ok. Vous allez me dire ça. Faut savoir quand même que Inox, je te coiffe depuis quand maintenant? 6 mois. Ouais, 5-6 mois je dirais. Tu connais maintenant. Faut savoir qu'il y a eu une grosse évolution au niveau de ses cheveux quand même. Hein. Putain. Parce que Inox, la première fois que je lui ai coupé les cheveux, quand on lui parlait de à blanc tout en bas, c'était même pas la peine. Hein. Ah ouais. C'était mort de chez moi. Ouais. Et en gros, ouais, je vous disais, un dégradé à blanc tout en bas, Inox, c'était même pas la peine. Ouais, les gars, au début, je t'avoue que le dégradé à blanc, j'étais pas. Pas chaud. Vraiment, et au fur et à mesure, en fait, on y allait étape par étape. Ça fait un mois 3, ouais, c'est un ça, mois exactement. 2, un mois 1. C'est ça. Et après, je t'ai dit, vas-y, fais 0. On a sauté le 1, on a fait, vas-y, fais 0. Direct. Et je suis sûr que maintenant tu pourrais plus avoir ta coupe d'avant, tu vois. Ah non, avec les cheveux blancs blanc sur les côtés. Ouais, c'est mort. Au bout d'un mois, c'est quand j'ai pu mon dégradé. Ah, t'es pas bien après. C'est pas fini. C'est pas beau, c'est tout raté. Tu sais que tu me dis ça, mais. Il a fait des trous partout. J'ai toujours confiance en l'artiste. C'est rattrapable. Je vais le répéter encore une fois. Inox, il ne fait pas de permanente. C'est ses cheveux naturels. Donc pour tous les messages que je reçois en privé en me demandant si Inox il fait une permanente, non. Par contre je prends 5 minutes à me coiffer. Donc non, Inox ne fait pas de permanente. Bah punks pas, punks pas, punks pas, punks pas, punks, punks, punks. Tiens, je la tiens. Attends, il va raser ma barbe. Attends, rase, je te rase un peu la barbe frérot. Fais gaffe, hein, y en a beaucoup. Ouais, c'était un peu trop là je trouve. T'as envie de lui faire les contours frère. Bah oui. Je trouve ça drôle. Ta gueule, fallait faire les contours. Oh là là, beau tracé de babar là. Il le fait là, il est en train. Laisse-le faire. La moustache, tu la laisses ou pas? Ouais, je la laisse. Donc j'ai un minimum truc de viril quand même. Bon, vas-y, en retard, faut speeder là. Faut qu'il se coiffe en balle là. Dégradé laser. Bon, frérot, c'est carré ou pas? By artist. Ouais. Babin Banks. C'est important. Merde, mon ref sûr. C'est important. Dobby, on y va? Ça part. Boule à Z. J'ai rigolé. Comme ça. Le gars se chauffe. Bon, on est passé à Dobby, hein, les gars. C'est parti, hein. On lui fait sa petite mise à jour. C'est plus rien, là. La première fois que j'ai coiffé Dobby, c'était dans le 7-7. C'est chez moi? Ouais. Bah ouais, parce que moi, j'habite sur le Val d'Europe et Dobby, il habite dans un. Dans un espèce de village. C'est même pas un village, c'est une bourgade. C'est vraiment. En fait, c'est une route, il n'y a que sa maison. Genre. C'est exactement ça. Et donc, c'est là la première fois que je l'ai coiffé. Et voilà, là, je le coiffe à Webmedia. C'est pas mal, hein? Ascension, elle est pas mal. Mais là, c'est ma maison. C'est ta chambre, là. On est dans ta chambre, carrément. Ah, attends, c'est mon placard. Là, c'est mon placard. Le gars, il a une plante dans sa chambre. Le chien, il va bien? Il va trop bien, putain. Je vais venir avec aujourd'hui en plus. C'est vrai? Ouais. Comment il s'appelle déjà? Kuma. Ouais, Kuma, c'est ça. Hein. Il y a Yuki et Kuma. Hein. C'est ça. Ouais, c'est trop cool, ça, quand même. De ouf. Ça fait longtemps qu'ils sont pas venus en plus là. Bah là ils vont se revoir, là vous êtes rentré du Canada, vous allez avoir un peu plus de temps. C'est ça. Son chien c'est une pile. Ah ouais, je vois dans les Insta stories, il vole des chaussures, il les mange, il les. Ah ouais, c'est la guerre. Oh là là, bah c'est bon, c'est fini hein. C'est fait. Et là, les détails. Ah ouais, mais c'est trop bien. Le garçon est mignon. Franchement. Je suis content que tu sois venu me coiffer là. En plus c'était pas prévu, t'as vu? Ouais, j'ai besoin d'une magie. Genre je me suis levé ce matin, je me suis pas dit bah je vais me faire coiffer. Et voilà. Je vais rentrer, mon chien il va dire mais c'est pas lui, je connais pas lui. Voilà. Avec la petite game potion. C'est comme ça qu'il faut le faire là. Game potion. Nickel les gars, n'hésitez pas, mettez des likes.
Bah qui ouais. fait bien cette vidéo et puis bah je te remercie. Simer, merci à toi frérot. N'hésitez pas, fin de vidéo. Bon finalement la vidéo n'est pas terminée. Regardez avec Mich Mich. Regardez qui j'ai trouvé. Aïe aïe aïe. Donc c'est parti dégradé laser. Allez. Ça part. En gros Michou là. Là il y a du boulot. Hein. Là il y a du cheveu là. En gros Michou c'est pareil, c'est comme Inox et Dobby. Je l'ai pas coupé depuis, depuis le Canada. Ouais. Donc il y a du taf. Je me suis rasé par contre ce matin. Ah ouais. Dis-moi est-ce que j'ai bien rasé. Y a rien. J'ai l'impression que c'est. Y a plus j'ai rien. L'impression que c'est carré hein. T'as vu. Ouais franchement t'es fort hein. Tu t'améliores de jour en jour. Hein. Et regardez Michou vous rendez pas compte. Je sais pas si vous rendez compte sur ces vidéos mais les épaisseurs de cheveux ouais. c'est incroyable. Ouais, ouais. Épais, hein. Donc à chaque fois c'est une délivrance. Quand je te coupe les cheveux, en fait. Il pousse vite aussi mes cheveux. Il pousse vite de fou. Bon, allez, c'est parti, on y va. Il fait chaud comme un Rio. Si j'achète le nouveau gamme aussi, on le rayait. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Je suis dans le sas, on danse la salsa. Vas-y, danse la salsa là. J'en oublie la hesse. Bah, j'en oublie la hesse. J'ai vu ton studio, il est incroyable, frère. Ah ouais? T'as kiffé, tu valides? Je valide. Ah, ça fait plaisir. À 100%. Merde. Ils ont fait un taf incroyable. Ah ouais, franchement, je suis trop content. Franchement. Il est vraiment stylé. En fait, on a fait des plans 3D sur PC, tu vois. Mm-hmm. J'ai dit, je veux ça. Mm-hmm. Ils m'ont montré les plans, j'ai fait, bah ok, c'est parfait. Et il est comme dans les plans. Et c'est vraiment parce même que. Mieux que sur les plans. Toi et Inox, vous êtes côte à côte, quoi. Ouais. Vos deux studios, ils sont côte à côte. Et c'est trop bien. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vos deux studios sont complètement différents. Ouais. Ils ont rien à voir, mais les deux sont. Ouais. Sont carrés de ouf, tu vois. Mais c'est vrai que les deux ont rien à voir. Hein. Ah, les deux ont rien à voir, mais les deux sont carrés. Fais les cheveux bien, si tu veux. Je suis chaud. T'essayes? De quoi? Bah, on improvise une formation direct. T'es un malade? Non, vous êtes chaud ou pas là? On improvise une petite formation là. Je suis bêché en plus. Ah ouais. Et ça fait quoi? Hein? Déjà, est-ce que tu sais l'allumer la tondeuse déjà? Non, mais arrête, wesh. Je peux pas de la D, hein. Déjà, regarde, je sais même pas l'allumer. Ah, déjà, ça commence mal. Elle est débranchée. Oh, ah, non. C'est chaud. Laisse-moi. J'irai ça. Tu le laisserais me défoncer la pipe. Non, après c'est dur. Si c'est dur. Ah, mais parce que t'as zéro confiance en moi. Déjà, en vrai, je suis droitier. De Ronald, j'aurais tenu là votre truc. J'ai pas de confiance en toi, gros. Pas pour la coiffure, en tout cas. Alors, prochaine fois, je coupe Dobby, il me coupe. Oh! Bon, vas-y, les gars, la prochaine fois. Tu nous formes. Mais non, mais voilà. La prochaine fois, troll. Vraie formation. Vas-y, je suis chaud. On se coupe bien. Oh, c'est enregistré, hein. Là, ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Non, mais c'est fou, là. Là, on est en vidéo YouTube, là. T'as vu, là, c'est ma deuxième. Ça, c'est les 100K, ça. Ça, c'est les 100K, ça. GG, hein. 100K sur Insta, insane, hein. Non, franchement, merci encore. 100K sur YouTube, maintenant. Oh, putain, t'imagines. C'est l'objectif. Incroyable. On s'abonne, les gars. On envoie la secours. Direct. Meurs, frérot. Non mais j'avoue c'est incroyable, 100K sur Insta, je réalise pas trop hein. C'est ouf hein. Ouais, je réalise pas trop. La première vidéo tu l'as vu où j'avais le sang derrière? Ouais. D'ailleurs j'ai dû l'effacer parce que j'avais un repas et de famille. Ils voient encore un peu. Hein. Ouais, ils voient encore un peu du rouge. Mais j'ai dû l'effacer parce que j'avais un repas de famille ce week-end. Ah ouais, chaud. Ah ouais. Je me voyais mal arriver là-bas et... À 100K dans les cheveux. Chelou le gars, il a brillé ou quoi? Ouais. On va attaquer le dessus frérot. Petit coup de ciseau. Tranquille, ça commence à prendre forme, hein. Ouais, de ouf. Michou, il m'a dit tout ce que Yuki mangeait. Ouais. Les AirPods, c'est celle-là, là? Ouais. Regarde la boîte, elle est niquée un peu. Ah ouais. Elle m'a niqué la boîte des AirPods, hein. Ah ouais. J'ai le seum. Yuki, elle mange heureusement, elle a pas chopé les AirPods dedans. Qu'est-ce qu'elle mange d'autre, encore, hein? Qu'est-ce qu'elle mange? Mais gros, elle mange tout, frère. Elle mange. La télécommande. Déjà, alors, les télécommandes, j'ai plus intérêt à les laisser traîner. Mes chaussures, gros. Les Yeezy et tout, j'ai vu là. Mec, j'ai trop le seum, gros. Maman, j'ai des lacets d'Yeezy. Oh non. Mais maintenant, les chaussures, c'est bon, je les mets 3. Faut les mettre en hauteur, ouais, en fait. Ouais, je les mets 3 mètres de haut. Ouais, c'est mort, ça peut pas les attraper. Je la laisse chez moi, tu vois. Ouais. Je pars une heure. Ouais. Je laisse la salle de bain ouverte. Je me dis, bon, vas-y, Balek. Mec, elle a réussi à aller choper le PQ qui était sur les toilettes. Elle a bouffé tout le rouleau de PQ. Il y en a partout chez moi. C'est pas le sopalin, pareil, hein. Faut pas laisser traîner. Ouais. Et même, mec, elle allait me choper la brosse à chiottes. Je pense que c'est parce qu'elle est jeune. Je pense avec le temps, elle va s'assagir après. Mais c'est clair. Je pense qu'elle va s'assagir. C'est juste parce qu'elle est jeune, elle veut. Mais tout, c'est abusé le nombre de conneries qu'elle fait. Elle est ingérable. Dès que tu la regardes, après tu te dis bon, vas-y, c'est pas grave. C'est ça, gros. Vas-y, je t'en veux pas, c'est pas grave. Je la vois avec ma télécommande dans la gueule et je fais putain, je peux pas t'en vouloir. Bon frérot, c'est on parfait, est bon là, ou pas? Ouais, là on est plus que bon là. On part sur un petit peu plus court. Non, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est carré? Ouais, là, c'est carré. Vas-y, je vais mettre un peu de... C'est carré, là. Je vais mettre un peu de cire, vite fait.
Et on est buenos. Allez. Je vous montre le résultat après. La sœur qui fait le taf. Yes, yes, yes. Bon, voilà. Le frérot Michou est totalement réglé. La mise à jour est totalement faite. Là, on est bien. Hein. Là, on est bien. Il est frais. Et toi, quand tu te coupes les cheveux, c'est un truc de ouf. Comment c'est... Ça change tout. Ah, ça change tout. Ça fait ça direct tout. Propre. Vraiment. C'est un truc de ouf. Hein. Voilà, Michou tout neuf. Vous mettez une petite... Mettez-moi une petite note sur 10 de ma... Vas-y. De mon dégradé, là, dans les commentaires. Une petite note sur 10. Deux. Ok. Soyez gentils quand même, hein. Soyez gentils. Bon, voilà, frérot. Fin de vidéo. Bah ouais. Ouais, voilà. T'as plus personne à coiffer ? Bah non, c'est ça bon, c'est terminé. En direct de Webedia. Aïe, aïe, aïe. Voilà, ça fait plaisir. Et voilà, on s'attrape très vite. Restez branchés. Plein de commentaires. Des pouces bleus. Pouces bleus ou on dit quoi ? Pouces bleus et pouces en l'air. Pouces en l'air, pouces bleus. Bref, donnez-moi de la force. Je suis nouveau sur YouTube. Abonnez-vous, les gars. Merci, Michou. Grâce à toi, tout ça aussi. Hein. Merci à toi, frérot, encore. J'ai participé, on va dire. Ah bah, c'est ça. T'as contribué. T'as contribué à tout ça. Et voilà, on s'attrape très très vite. Et à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, la MIF. Fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le début. C'est que le début, on va faire plein de petits concepts sympas. En tout cas, j'ai bien kiffé Webedia. Ça m'a permis de voir un peu à quoi ça ressemblait et tout. Franchement, c'était lourd. Grave lourd. À bientôt la MIF. Ciao.